Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester ensemble Adware Antivirus Beta. Oui, depuis un certain temps la version Adware de Lavasoft est devenue un antivirus, toujours un antivirus, il y a aussi un antivirus. Donc on va découvrir l'interface ensemble. Alors l'interface est super grande, hein. Donc c'est Adware Pro, donc en version bêta. L'interface est très grande, hein. Et elle bouffe tout mon écran. Donc voilà. Alors, donc il est pour l'instant en anglais. Donc voilà. Donc il y a tout. Donc il y a un coffre-fort, protection des mails, protection de tout ce qui est clé USB, un pare-feu et une protection du navigateur. Alors, donc les mises à jour sont faites, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc je l'ai pour 30 jours. Donc voilà. Alors là, vous voyez un peu mal, donc la protection antivirus anti-spyware. Voilà, donc là on voit bien. La protection en temps réel. Et ça, c'est le mode de jeu. On joue pas au jeu. Alors, donc on va aller dans les réglages. Donc je vais rien toucher. Appuie scan, il n'y a rien. Je vais pas toucher, appuie scan, full scan, plus. Customiser on peut. Bon. Ça c'est la quarantaine. Les rapports. Donc voilà, ouais, j'avais essayé iCar. Mais j'ai remarqué en solo fois qu'il ne fait pas les alertes. Donc on verra ce qui se passera. Ignore. Les définitions de virus. Donc il est à jour normalement. Oui, c'est bon, il est à jour. Et les performances, les réglages de performance. Donc tout est sur normal, donc j'ai tout mis par défaut. Donc bah, il est toujours simple pour l'instant. Donc on va voir ici. Donc là c'est tout ce qu'il a fait. Quand il trouve un programme suspect, il met en quarantaine. Il faut pas avoir les alertes, s'il vous plaît. Voilà, demander à l'utilisateur c'est mieux. Ah, je suis à risque. Ah bon. Le firewall est désactivé. Ah bon. Voilà, je fixe. Voilà. Donc mon pare-feu, on a dû être désactivé. La protection des banques. Donc ça par contre, normalement c'est activé. Hein. Donc voilà. Protection des mails. Le firewall. Normalement, il est activé. Donc là, c'est les règles d'application. Les règles de port, les règles du réseau. Les règles de certains logiciels. Et après, c'est certaines zones. Le scan des clés USB et le scan du réseau. Voilà. Bon, pour fermer, c'est aussi l'horreur, mais j'ai trouvé ma solution. Et zut. Et zut encore. Hop. Fermé. Voilà. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Hein. Donc l'interface est très grande. Donc, comme toujours, comme certains tous antivirus que je teste, il y aura des tests URL, des curseurs manuels et tout. Donc j'ai pris quelques URL. Hein. Donc là, comme la version 2012, il y a une barre d'outils. Vous pouvez voir mon test sur ADR 2012 sur ma chaîne YouTube. Donc on va voir du côté des préférences. Je crois que ça n'a pas changé. Donc fermer navigateur, cliner. On peut même changer le fond. Recherche. Il n'y a pas la météo. Allez, on va changer le thème parce qu'il est tout moche. Voilà. Bon, allez, on y va. On va tester le premier lien. Donc, depuis deux tests, je note tout ce qui se passe avec les URL. Alors, attention, le site peut être dangereux. Ok, donc là, c'est la barre d'outils qu'il a vu. Donc, je prends note. Voilà. Le Troyen KFC. Il va nous inviter au KFC. Cool. Voilà, par contre, c'est pas reconnu par la barre d'outils. Je l'exécute. Je l'exécute. Là, par contre, c'est passé. Donc là, on a un malware qui est passé. Donc c'est le KFC. Suivant. Donc c'est un logiciel de rançon. Donc je l'enregistrerai. Bien, c'est un des rares à me bloquer ça. Hein. Et je me rappelle à chaque fois que Adware laissait passer ces logiciels-là, mais là non, il a bloqué. Bon, ok.
Et maintenant, c'est les adresses IP, 23. Menace détectée. Adware a détecté une menace sur votre PC. Vous devez sélectionner une action. Alors, objet, ça. Trojan générique BT. Soit on le scanne, soit quarantaine, soit on l'autorise ou soit on le bloque. Quarantaine. Voilà, là maintenant la menace, elle ira pas loin. Voilà, donc là, ça, outpost, est détecté. Donc ça fait déjà 3, pardon. Donc si on continue comme ça très bien. On continue. Là par contre, on a une réaction après. Quarantaine. Et voilà, là c'est bloqué. Donc c'est très bien. Donc là, il essaye d'insister. Quarantaine. Voilà. Pour l'instant, c'est un bon score. Hop. Alors, donc celui-là, on exécute. Ah! Là, par contre, le faux casino n'est pas trouvé. Alors, on va mettre en français. On accepte ta petite connerie. Suivant. Là, par contre, le faux casino en ligne est passé. Hein. Donc, multiplie 3. Et on continue. Parce que c'est génial. Ah, ça clignote. Et installation, ça fiche. Hop, on y va. Ah, ça frise là, un petit peu. Peut-être l'activité du faux casino. Alors, celui-là, je l'exécute. D'accord, c'est détecté. Pas de problème. Ok, chef. Alors, bon là, je crois bien, ils insistent bien, les chevaux 3, là. On voit cette casino qui est en train de m'embêter. Donc, je vais aller sur mon gestionnaire de tâches. Et je vais fermer le monsieur. Je bouffe tout, là, le casino. Quoi qu'il mange, je crois que c'est le casino en ligne. Donc, ça, c'est pété. Oups, bon tant pis, c'est quand même noté. Hop, on y va. J'exécute. Alors là, on a un malware qui est passé. Ah, un relevant, cool. Ok, bon, bah, Adware WinRender relevant plein gueule est détecté. Bon, si tu bloques le reste, ça va. Et là, c'est pas ça, hein. Regardez comme c'est écrit tout petit là. À chaque test, je le fais toujours, ça type comme là. Alors hop, on veut pas ton truc. On veut pas ton truc. Oui. Alors est-ce qu'il va bloquer? Non. On veut pas ton questionnaire tout pourri. ADR détecté. Quarantaine. Bon. Petite planète ne s'installera pas. Hein. Je vois comment c'est passé. Alors, suivant. Pour l'instant, il s'en sort bien. Donc là, ça marche pas. Je mets un O. Je crois que celui-là, c'est un fake AV. Avec un trou antivirus. Ok, un rogue. Exécute. Ouais, j'avais raison. Fake alerte. Quarantaine. Donc là, ça c'est détecté. Ok. Voilà. Continue. Ça, c'est détecté, attrapé au vol. Donc si je télécharge, je crois que ça ne fonctionnera pas. Non, c'est détecté, ça tombe bien. Parce que c'est bloqué au vol. Suivant. Pour l'instant, c'est un bon score quand même. Hein. Quand même pour l'instant, féliciter la team Adware parce que c'est quand même bon pour l'instant. Là. Là, toujours quand je dis ça, toujours quand il y a un truc qui passe. Quand tout test. Donc là, on attend. On va quand même pour 220. Bon, ça va vite. 13 000 kilos, c'est détecté, c'est très bien. D'ailleurs, il ira pas loin. Hop.
Un pdf.exe. Cool. J'ai jamais vu ça. Alors, c'est attrapé au vol. Ça sera bien. Bioware insiste. Quarantaine. Des fois, ça peut arriver. Alors ça, c'est un Troyen pour Google+. C'est attrapé, bravo, bravo, parce que celui-là, il n'y a pas beaucoup d'antivirus qui l'attrape, mais Adware, il le chope. Donc c'est très bien, bravo. Alors ça, la cellule d'auteur. Ça a l'air un Troyen génome, je crois que ça. Je crois que ça a l'air génome. Alors... l'espace. Donc il y a un filtrage web et pour l'instant le filtrage web c'est la barre d'outils. Parfois pour l'instant il a rien dit. Ah. Ah. Le malware qui est passé. Un truc chinois. Cool. Alors est-ce que le pare-feu va réagir ou pas? Non, il est parti. Parti faire dodo. Ouais, il est parti. Bon. Donc ça par contre, c'est passé. Exe! Point exe. Ça c'est du nom. Hein. Donc exécuter exe! Point exe. Bon bah exe! Et détecté. Poubelle. Poubelle. Et le dernier. Je crois que c'est un 0 accès. Je pense que c'est un 0, c'est ça. Ah. Ça par contre c'est passé. Hein. Le blanc mémoire. Donc là on a Adware qui travaille. Ah. Alors. Ah ouais. Une erreur a été rencontrée. S'il vous plaît, envoyez un mail. Merci beaucoup. Bah voyons. Non. T'as rêvé, hein. Par contre, vidéo.mpeg est toujours là. Hein. Donc là, on a le dernier malware qui est passé. Bon, résultat des courses. Donc sur 20. Pardon. Sur 20. Alors, il en a attrapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va. Ah, donc là, encore une menace détectée. Bon, ça va encore. Il peut se rattraper en détectant Kangourou et Kangourou sur 2. Ah, donc là on a un backdoor IRC bot détecté. Donc là c'est le malware vidéo.png qui s'éclate. Hein. Il essaye de venir avec ses potes, mais il n'y arrive pas. Donc lui, Adware en fait les attrape. Alors on a aussi Cursor Mania plus 2 rogues sur 3 et ça fera quelques points en plus pour la note. Alors on va commencer d'abord par Cursor Mania qui est un bandeware de 3 que pas beaucoup d'antivirus ne détectent pas. Je repense à Norton etc. Kaspersky et compagnie. Alors bon, déjà qu'à Adware c'est pas vu, donc je parie que ça va passer. Et oui, ça passe. Donc là les vieux je crois que l'Adware là il passe là. Donc là on n'a pas de reconnaissance de Lavasoft. Donc là, Cursor Mania s'installe. Voilà, ces malwares sont là. Hein. Il y en a au total 2, 3. Gilles.exe, je sais pas d'où il vient, lui.
Là, AD, Cursor Mania est passé, est installé. Bon. Là, Cursor Mania. Bravo, vous avez installé Cursor Mania. Maintenant, vous êtes pourri. Voilà. Alors, est-ce que je peux voir mes curseurs? Par exemple, le bouton parti de ma UHR. Bon, il t'a pas vu, toi. Pas mes curseurs? Non, ils sont pas les curseurs. Ah, si, là. Un petit peu de temps. Bon bah moi j'ai mes curseurs hein. Alors smiley. Alors lequel on va prendre? On va prendre celui-là en l'honneur de mon ami Abandou et de mes autres. Parce qu'Abandou est toujours très sympa, a toujours le sourire et toujours est très optimiste. Alors, on peut aller d'abord sur les cyberrobes. Hop. Alors, donc là, le site n'est pas connu par la barre d'outils. On va télécharger. Et c'est capturé après. Ok, bon. Si tu veux, gars. Donc là, ça c'est terminé. Alors, est-ce qu'il va bloquer l'autre? Hop. Ouais, c'est bon. Donc, pour Cursor Mania et le Rogue, ça fait 2 sur 3. Maintenant, testons les diaboliques. On va voir. Machin. C'est un vieux site, mais il est toujours pas bloqué. Alors, tu devrais y être. Tu vas me donner une menace tout pourrie. On l'exécute. On l'exécute. Le malware passe. Media Finder. Ah, c'est quoi ce truc? Media Finder. Bon, je veux pas Babylon déjà. Donc là, on a le malware de Kegen qui est passé. Hein. Là, qui est en train de passer. S'installe. Ah. On a l'activité. Ouais, Media Finder est passé. Donc là, Media Finder n'est pas détecté par l'Avasoft. Cool! Il est décrack. Ah, je vais courir avec hein, parce que ça c'est malveillant. Alors, j'avais vu qu'il y avait un petit truc à la vista. Enfin, le stream est bien à la vista. Ah, bah, c'est pas mal! L'effet aéro à la Windows 7, c'est cool! Et d'ailleurs, j'ai même pas Windows 7, hein, j'ai XP. C'est pas mal. Hein. Allez, on va aller voir son frère. Hop! Après, on va aller voir mon site préféré, mon Rack'n'Roll'ed. Le Rack'n'Roll'ed. Yeah. S'il trouve, je rajouterai un point. Alors. Tac. Ok, donc là, pour l'instant, il n'y a pas de réaction de Lavasoft sur le point. Donc j'espère qu'il va pas se laver les mains. Ah, bah tiens, c'est quoi ce truc? Ok, on va se rattraper. Alors, donc là, le crack pour l'instant n'a pas de réaction. On prend rien. On va aller titiller un peu. Non, bon, quand tu dis qu'il n'y a rien, bon, ok. 4-4, ça fait aussi. On le lance. Donc là, le malware il passe. Je ne vais pas oublier. Ah bah il a déjà fini. Bon. Donc cette menace ça contient 0 accès. Hein. Donc 0 accès passé. Bon bah. Pas bien. Là ça fait 0. On va essayer pour le fun le petit Rack'n'Roll'ed. Ah le Rack'n'Roll'ed. Yeah. Petit malware que j'adore. Allons d'abord le site que j'adore toujours aller. Il est méchant.
Alors, c'est en honneur de mon ami avant tout, qui teste toujours ce site. Alors la phrase qu'il a dit, c'est pas destiné pour vous, hein, je rigole. C'est pas pour vous, vous inquiétez pas. Maintenant, mon site préféré, toujours en faveur d'avant tout. Go. Bon. Alors, il soit qu'il est détecté. Une quarantaine. Donc, il est détecté, c'est très bien. Ouais, donc là, le badge rook est détecté. Hein. Donc, je rajoute un point, vu qu'il a été rectangled. Donc, je vais la mettre là. Rectangled. 1 sur 1. Alors, on va faire le total. Donc, 11 plus 2 plus 1, ça fait 14 sur 20. Donc, il y a la mention. Bien. Donc, la mention bien, en fait, c'est le produit, en fait, il est bon. Donc, la base soft est bon. On regrette que zéro accès passé, mais enfin, on va le savoir tout de suite. Hein. Donc, il faut le tester sans ça. Enfin, je vais pas faire le scan Hitman Pro parce qu'il n'y a pas grand chose qui est passé. Enfin, juste MediaFinder, là, je sais pas ce que c'est. La machine, elle rame un peu, mais c'est à peu de 0 pied. Là, je vais lancer TSS Killer. Ah, merde. Le scan, il était déjà fait avec. Donc là, je pense ce que je pense. Ouais, il me l'a trouvé. Bon, ben, on a un 0xC au cul. Hein. Enfin, là, 0xC, oh là, c'est sûr. Donc, bon, bah, je vais dire mon avis sur ce qui se passe. Bon, bah, il va soit qu'il est bon, donc il va être dans les meilleurs. Par contre, ce qui est pas bien, zéro accès passé. Donc, ça, déjà, ça, c'est pas bien. Les vieilles menaces, bon, un pur sort, il est passé, mais pas les autres. Donc, bon, bah, Lavasoft, vous pouvez le prendre si vous faites pas d'activité dangereuse sur votre PC. Ça peut le faire. Sinon, il vaut mieux passer à autre chose. Bon, après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui faites votre propre avis, comme tout test. Hein. Moi, je teste et vous, ben, vous décidez ce que vous prenez ou pas. Peut-être vous allez le prendre. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est recommandable uniquement pour les personnes qui vont pas sur des sites dangereux, donc par exemple Crack, Peer-to-Peer et compagnie. Donc là, Lavasoft se fera dépasser. Sinon, il a bien tenu la route. Hein. Donc il est recommandé. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc j'espère que mon test vous aura plu et à bientôt pour le prochain test. Et avant de se quitter, n'oubliez pas que j'ai un site internet, donc Infomart qui m'a ouvert. Que je salue à team au passage. Donc pour y aller, vous tapez infomars.fr/wordpress/manzai et vous aurez mon nouveau site. Donc des fois ça se répond. Donc voilà. Donc là vous avez mon site internet avec tout ce que j'ai fait. Donc pour l'instant j'ai pas encore mis mes nouveaux tests. Donc ça va être mis dans la journée. Enfin voilà, donc si jamais vous avez un peu de temps, vous pouvez visiter mon site. Voilà. Donc à bientôt. Au revoir.